Salut à tous, c'est Keito de Salatran France. On se retrouve aujourd'hui pour la multi-invocation sur Mallory des Fringues. Sur le portail, Asuna et Alice, Persona 5, partie 2. Donc du coup, autant dire que c'est plus ou moins la dernière chance, parce que sur les singles, les dropper, c'est extrêmement rare, entre eux, on va dire. Donc c'est plus ou moins la dernière chance de pouvoir choper quelque chose sur cette multi-invocation. Bien sûr, j'avais rien eu sur la bannière principale, ni sur le Red Top, Kirito et Shinnon. On avait eu 2 records cristal sur la bannière principale et sur la bannière Kirito Shinnon 3 records, ce qui me fait 5 records. Donc il me faudrait sur cette invocation là 5 records avec un peu de chance pour essayer de tenter un deuxième coup pour essayer d'avoir un autre personnage. Enfin, avoir un personnage 6 étoiles en espérant que cette multi suffise pour en avoir au moins un des 4, ça serait cool. Bon, bien sûr, j'avais déjà dit ce qui m'intéresserait le plus serait les 3 filles, le Kirito Dual Blade, même si ce serait du bonus de l'avoir. Comme j'ai déjà pas mal de Dark Elemental, j'aurais préféré avoir un peu d'autres éléments pour que je puisse faire d'autres Team Crossing Skills en cas de besoin. Donc du coup voilà, donc on va déjà commencer par la petite single, hein. Généralement ça rapporte pas grand chose cette merde, enfin pour moi en tout cas ça m'a jamais rien rapporté, même pour la bannière, là, j'ai rien eu quoi. Donc du coup on verra bien si déjà aujourd'hui déjà ça a de la chance sur la single ou non. Allez. Bon, rien sur la single comme d'habitude, hein. Ça changera pas. Voilà, je skip, voilà, ok. Donc screen pour mon Insta, hop, voilà, j'enlève ça. Hop là, voilà, donc résultat de la single, c'est pourri. Et maintenant, on va passer à la multi-invocation. Donc en espérant qu'on ait un peu plus de chance que là, récemment, que ce soit sur SAO MD ou sur SAO ARS, on n'est pas chanceux du tout. Depuis que j'ai chopé la Shinnon et puis le... comment on appelle ça, et puis Skull, j'ai du mal à me refaire, hein. Là franchement je sais pas. Allez, s'il te plaît, c'est parti, on y va. Yes, enfin on a quelque chose, putain. C'est moi, ça vient toujours diplôme plus tard, hein. Ouf. Et si j'ai 5 records, ce sera encore mieux, comme ça je pourrais peut-être essayer d'en choper un deuxième. Allez! Qui ça va être? Ici il y a quelque chose. Allez, si on est au début de la multi, il peut peut-être y avoir un deuxième avec un peu de chance. Ah oui, déjà, allez, c'est qui? Et c'est donc Alice! Super, comme ça j'aurai une team au complète en crossing skill, ça c'est bien. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième? Parce qu'on est plus ou moins qu'à la début de la multi, on n'a pas encore fini. Yes, il y a quelque chose ici. Alors attention, est-ce que c'est un autre 6 étoiles ou pas? Ou du bonus? Ah, c'est un 5 étoiles bonus. Ok, un petit 100 hacking cristal normal. C'est bien, ça permet de limite break une fois au moins un personnage 6 étoiles grâce à ça. Donc là, le tir était 3 étoiles, ok. Rien. Rien non plus, mais bon, c'est les 3 étoiles, ça va. Ah, je crois qu'il y aura rien d'autre. Ah, ah non, j'ai dit n'importe quoi. C'est quoi là? Un petit 4, 5 étoiles, 6 étoiles, bonus. Non, c'est un 4 étoiles bonus. Bon, on aurait 5, 6 et 4 du coup. 4, 5, 6 du coup. Ok, donc là, bah là, je crois que c'est le dernier. Hein. Voilà. Ok, bon, juste là, Alice. Bah, c'est bien. Ok, super. Maintenant, allons voir les records. Est-ce que j'aurai de la chance d'avoir les 5 records qui manquent? Et non, juste 2 records. Donc, les records, c'est pourri. Ok. Bon, c'est pas grave, j'en ai eu un. C'est ce que je voulais. Donc là, Alice. Donc, petit screen de la chance. Hop. Voilà, on y est. Du coup, on va aller voir si on peut aller voilà, monter un petit peu hein, cette Alice.
Alors, du coup, il faut que j'aille dans partie, voilà. En espérant que j'ai autant de chance sur le portail ARS juste après, parce que il y a aussi le rate-up Asuna Aello qui sort sur ARS, donc j'espère que j'aurai autant de chance. Ah bah ça tombe bien, c'est l'équipe au Crossing Skill que je pourrais faire. Alors ici, hop, on va faire ça. Holy Water, tac, tic, tac, 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 voilà. Donc ici, voilà. Comme ça, maintenant, je suis un Crossing Skill total. Voilà. Donc ici. Ah, déjà, on va peut-être augmenter. On va peut-être augmenter. Donc du coup, j'ai deux personnages à l'épée et un. Ok. Alors ici, hop. Ah oui, j'aurais dû limit break d'abord. Là, j'avais gardé. Sans comment on appelle ça, sans hacking cristal multicolore pour pouvoir limit break un personnage haut. Je sais pas si je vais limit break elle ou un autre. Bon, déjà je peux la limit break une fois, mais sans hacking multicolore, je vais garder en réserve pour l'instant. Non, ah ouais, faut que j'augmente les capacités d'abord. Voilà. Hop. Ok, on s'en fout de l'histoire. Ici, on attaque une fois. Ok. Alors ensuite, maintenant, on va augmenter ses skill slots. Normalement, je devrais avoir assez de médailles. Oh oui, large. Large, large. Ok, pour ça, ici, là, hop. Et là, des choses à monter, hop. Après, pour les conditions. Et si Eance increase Link MP. Ouais, donc peut-être que je limite break elle, peut-être deux fois, alors, histoire de faire un meilleur score pour le ranking, je verrai. Ou sinon, on verra. On verra. Alors, en termes d'équipement, qu'est-ce que je peux lui mettre? Alors, déjà, attendez, parce qu'il faut que je la mette 85, du coup, comme je les limite break un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à ce personnage en termes d'équipement? Eh ben, en termes d'armure et d'épée, de accessoires. Bon, l'accessoire, il faudra avoir l'accessoire du ranking. Ben, je crois d'ailleurs c'est le même accessoire. Il me semble. Ou non, je crois qu'ils ont changé les accessoires. Je sais plus. En termes d'épée, du coup, ben, comme celle-là, c'est Eiji qui l'a. Il faut que je lui mette une épée haut, donc soit celle-là, ou soit. Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici, ou soit celle-là. Donc 6500 et 4006 pratiquement. Et celle-là, elle fait combien? À 4007 critiques et. Ah ouais, donc celle-là, elle a l'air mieux. Ça fait presque 200 de critiques de base et puis juste 50 de moins en attaque. Bon, je vais mettre celle-là pour l'instant. Et en termes d'armure, on va mettre une non-élémentale de argot. Parce que de toute façon, je peux pas mettre autre chose que ça. Ou celui-là. Enfin, je sais pas comment il. Enfin, il faudrait voir. Parce qu'il y a celle-là aussi, mais.
Je crois que c'est Underworld Character qui peut être pas mal. À la limite, ouais, celle-là peut être pas mal. Et en termes de. Bon, on va mettre celle-là. Voilà. Donc, sur un MSR, on est quand même à 7100, c'est pas mal. Et 4800 de critiques. Si j'avais mis la R5 Ter, que je mets habituellement quand j'ai des personnages IP, voilà, on en resterait à 7400 et 4900. Donc on aurait encore 300 de plus d'attaque, c'est vrai que c'est pas mal. Ok. D'ailleurs, mon Eiji, il est moins élevé. Mais lui, il a une armure haut en plus. Par rapport à... Ok. Bon, ben voilà. On va en rester là. On est plutôt pas mal, hein, en soi. Du coup, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'il met? Est-ce que c'est un personnage... Non, c'est Persona 5. Donc, du coup, l'armure ne fonctionnera pas sur en termes de... UW Underworld pour avoir le caractère attaque plus 2. Je sais pas si c'est pris en compte, même si c'est un personnage, parce que d'habitude il est marqué là, ici où il est marqué PS5R. Je sais pas. Enfin bref, donc du coup, elle a la crossing avec les autres Eshinon. C'est vrai que. Je pense pas que je vais la mettre 90, que comme elle a mais que les Persona 5 et les Shinon, tout dépendra de ce qu'on peut faire au ranking, mais c'est vrai que là, je sais pas trop. Enfin bref, demain, il y a un autre portail qui arrive sur les Bunny Girls. Malheureusement, j'ai plus assez de MD, ce que j'ai dû faire, c'était le dernier step pour avoir au moins un troisième personnage haut. Du coup, donc qui sera là, hein. Je pense qu'avec ça, il y aura un nouvel événement. Donc, du coup, je pense qu'on pourra essayer d'au moins faire la première step une fois que j'aurai farmé tout ce qui reste à farmer. Donc, c'est des personnages terres. Donc, on aura Silica à la dague et Sugua à l'arc. Ce Goa m'a l'air plutôt pas mal avec l'arc, du coup, pour la recharge extra rapide, etc. Ok, on verra bien ça demain si j'arrive à farmer les choses. Voilà, allez, c'était Kirito, je vous laisse là, à la prochaine vidéo, qui sera sûrement sur la saison Racine Steel, parce que moi je vais la tourner tout de suite, mais vous l'aurez un petit peu plus tard. Voilà, donc en espérant que j'ai beaucoup plus de. Enfin, beaucoup plus et autant de chance, surtout que cette multi-là à vocation, sur SAORS. Allez, à la prochaine, salut, salut!